à toutes et à tous. Les chutes d'eau ont toujours captivé l'imaginaire humain, symbolisant à la fois la puissance brute de la nature et sa beauté éphémère. À travers les âges, elles ont été vénérées, explorées et souvent immortalisées dans l'art et la littérature. Leur force nous rappelle l'immensité des forces naturelles à l'œuvre sur notre planète, tandis que leur grâce inspire admiration et humilité. Dans ce documentaire, nous partons à la découverte des 10 plus grandes chutes d'eau du monde, des véritables merveilles géologiques qui déploient des volumes d'eau vertigineux, tombant sur des centaines de mètres, souvent dans des paysages à couper le souffle. De l'Amérique du Sud à l'Amérique, en passant par l'Asie, ces cascades sont non seulement des sites emblématiques pour les amoureux de la nature, mais aussi des écosystèmes vitaux pour la faune et la flore locale. À travers ce voyage visuel, nous explorons non seulement la majesté de ces chutes, mais aussi leur impact écologique et culturel, leur histoire géologique et les légendes qui les entoure. Préparez-vous à être émerveillé par la splendeur et la diversité de ces géants aquatiques. 1. Chute d'eau du Salto Ángel, Venezuela. Les chutes d'eau du Salto Ángel, également connues sous le nom de Churrún Meru, sont des plus hautes cascades du monde, avec une hauteur impressionnante d'environ 979 mètres. Elles sont situées dans le parc national de Canaima, au cœur de la forêt tropicale vénézuélienne. Les chutes du Salto Ángel sont célèbres pour leur premier saut de plus de 800 mètres, ce qui en fait un autre record mondial. Le nom de la chute d'eau rend hommage à l'aviateur américain Jimmy Ángel, qui l'a découvert en 1933. Bien que les habitants locaux connaissaient cette cascade depuis bien avant. L'immensité et la majesté des chutes du Salto Ángel créent un paysage saisissant qui continue d'émerveiller tous ceux qui ont la chance de les voir. 2. Chute de Tugela, Afrique du Sud. La chute de Tugela est située dans la région du Drakensberg en Afrique du Sud sont les deuxièmes plus hautes chutes d'eau du monde, avec une hauteur d'environ 948 mètres. L'eau de la rivière Tugela se précipite en plusieurs cascades successives le long des falaises rocheuses, créant un spectacle grandiose. Les chutes de Tugela sont également connues pour leur début impressionnant après de fortes pluies, ce qui ajoute à leur attrait. L'environnement montagneux magnifique qui les entoure offre des vues panoramiques spectaculaires sur les sommets escarpés et les vallées verdoyantes. 3. Chute des Vinufossen, Norvège. La chute des Vinufossen, située dans la municipalité de Sunndal en Norvège, sont parmi les plus hautes cascades du monde, avec une hauteur d'environ 860 mètres. Elles sont alimentées par les eaux de fonte des glaciers environnants et descendent en cascade le long d'une falaise abrupte, créant un spectacle saisissant. Les chutes de Vinufossen sont connues pour leur beauté naturelle et leur environnement pittoresque. Cependant, contrairement à certaines cascades, elles sont moins connues du grand public et offrent donc une expérience plus tranquille et préservée de la nature norvégienne. 4. Chute de Utsjögård, Norvège. Les chutes de Utsjögård, situées dans la municipalité de Norddal en Norvège, sont parmi les cascades les plus hautes du monde, avec une hauteur d'environ 800 mètres. Elles sont alimentées par les eaux de fonte des glaciers et se précipitent le long des falaises rocheuses avec une puissance impressionnante.
Les chutes d'eau Utgod offrent un spectacle majestueux au milieu d'un paysage montagneux époustouflant. À proximité des fjords norvégiens, elles offrent des vues panoramiques spectaculaires sur les eaux bleues, les sommets enneigés et les vallées verdoyantes, créant une expérience immersive de la nature sauvage. 5. Chutes cataractes de Gokta, Pérou. Les chutes cataractes de Gokta, situées dans la région d'Amazon au Pérou, sont l'une des plus grandes découvertes récentes en matière de cascades. Avec une hauteur d'environ 771 mètres, ces chutes époustouflantes étaient restées inconnues du reste du monde jusqu'en 2005. Les chutes de Gokta sont célèbres pour leur beauté et leur isolement, situés au cœur de la forêt tropicale péruvienne. En plus de leur hauteur impressionnante, elles sont également entourées d'une riche biodiversité, abritant de nombreuses espèces végétales et animales. Les visiteurs ont l'occasion de se rapprocher de la nature sauvage, d'explorer des sentiers pittoresques et d'admirer les merveilles naturelles de l'Amazonie péruvienne. Chute de Yosemite, États-Unis. La chute de Yosemite, située dans le parc national de Yosemite en Californie, sont l'une des icônes les plus emblématiques des États-Unis. Avec une hauteur de près de 739 mètres, elle se déverse en plusieurs cascades le long des parois rocheuses du célèbre canyon de Yosemite. La chute Yosemite, principale attraction, crée un voile d'eau scintillant qui attire les visiteurs du monde entier. Les chutes de Yosemite doivent leur nom à la tribu amérindienne Hawanéché, qui les appelait Sholok, signifiant grondement. L'environnement naturel spectaculaire des falaises, des forêts et des prairies, ainsi que la riche histoire culturelle des lieux, en font un site incontournable pour les amateurs de nature et d'aventure. 7. Chute Victoria, Zambie, Zimbabwe. Les chutes Victoria, situées à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, sont l'une des plus grandes merveilles naturelles du continent africain. Aussi connue sous le nom de Moziroa Tunia, qui signifie la fumée qui gronde, ces chutes offrent un spectacle incroyable avec une hauteur variée entre 82 mètres et 108 mètres et d'une largeur de près de 1,7 km. Elles déversent d'énormes quantités d'eau dans les gorges du Zambèze. Les chutes de Victoria sont célèbres pour leur bruit tonitruant et le nuage de brume qui se forme à mesure que l'eau s'écrase sur les rochers. En plus de leur beauté naturelle, elles sont également entourées d'une riche histoire et de légendes africaines, ajoutant une dimension culturelle à leur attrait. 8. Chute du Niagara, Canada, États-Unis. Les chutes du Niagara, situées à la frontière entre le Canada et les États-Unis, sont parmi les cascades les plus célèbres et visitées au monde. Avec une hauteur variant entre 51 mètres et 57 mètres et une largeur impressionnante, ces chutes offrent un spectacle extraordinaire. Les chutes se composent de trois sections principales. Les chutes américaines, les chutes jumelles du fer à cheval et les chutes canadiennes. Les millions de litres d'eau qui se précipitent chaque seconde créent un rugissement assourdissant et une énergie électrisante. Les chutes du Niagara doivent leur nom à la tribu amérindienne des Niagaras, qui peuplait la région avant l'arrivée des Européens. Avec leur renommée mondiale, elles sont un symbole de puissance naturelle et d'une beauté indéniable. 9. Chute de Gullfoss, Islande. Les chutes de Gullfoss, situées dans le sud-ouest de l'Islande, sont l'une des attractions naturelles les plus populaires du monde, avec une hauteur d'environ 32 mètres. Elles peuvent sembler moins imposantes en termes de hauteur, mais
compensant cela par leur puissance et leur beauté. La rivière Vita se jette dans un profond canyon, créant ainsi une cascade en deux étapes qui forment un angle de 90 degrés. Les chutes de Gulf Falls tirent leur nom de la couleur dorée que l'eau prend par temps ensoleillé, créant un effet visuel spectaculaire. Malgré leur hauteur plus modeste, elles sont appréciées pour leur environnement naturel uni, avec des formations géologiques spectaculaires et des paysages islandais environnants à couper le souffle. 10. Chute d'Angel. Chute de Calandula, Angola. Les chutes d'Angel, également connues sous le nom de chute de Calandula, se trouvent en Angola et sont l'une des plus hautes cascades d'Afrique, avec une hauteur d'environ 105 mètres et une largeur de plus de 400 mètres. Elles offrent un spectacle impressionnant. Les chutes d'Angel tirent leur nom de l'aviateur américain Jimmy Angel, qui les a survolées en 1933. Cependant, ces cascades étaient connues depuis bien avant cela par les habitants locaux. L'eau de la rivière Lukala se précipite sur les falaises avec une force incroyable, créant une chute spectaculaire qui se transforme en un rideau d'écume et de pulvérisation. Le bruit tonitruant des chutes et l'arc-en-ciel souvent visible ajoutent une dimension magique à cette merveille naturelle. Les chutes d'Angel aux chutes de Calandula sont une destination fascinante pour les amateurs de nature et les voyageurs en quête de paysages époustouflants. Alors que notre voyage touche à sa fin, nous avons parcouru ensemble certains des sites les plus spectaculaires et puissants que notre planète a à offrir. Ces cascades ne sont pas seulement des merveilles naturelles, elles nous rappellent l'importance de préserver notre environnement pour les générations futures. Chaque chute d'eau a sa propre histoire, sa propre identité, mais toutes partagent ce même appel à l'émerveillement et à la contemplation. Si ce documentaire vous a transporté et émerveillé autant que moi, en le réalisant, je vous invite à continuer ce voyage avec moi et en explorant d'autres beautés naturelles cachées à travers le monde. Je prépare déjà de nouveaux contenus sur des paysages encore plus étonnants et des histoires fascinantes de lieux souvent méconnus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer et de partager cette vidéo avec vos proches. Ensemble, découvrons les trésors de notre planète, un lieu à la fois. Merci de votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles aventures.